Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Brigitte et aujourd'hui, je fais une chevalière représentant une fleur de cerisier. J'utilise pour cela de la pierre à savon et une bague sans motif achetée sur Internet. Je commence par vérifier l'espace disponible que j'ai sur la bague. Puis, je dessine mon motif. Utilisant une mini-lime ronde à bijoux, je retrace le motif. Mais vous pouvez utiliser un exacto. Je ne cherche pas au début à graver profondément. Utilisant la lime triangulaire, je travaille le centre du pétale. Si vous utilisez votre seau avec de la cire, tout ce que vous gravez sera surélevé dans la cire. Par exemple, les pétales de la fleur seront surélevés sur mon cachet de cire. Si vous utilisez votre seau avec de l'encre traditionnelle pour les seaux chinois, tout ce que vous gravez ne sera pas ancré. C'est-à-dire, les lignes seront de la couleur du papier et les pleins seront rouges. Vous devez penser à cela lorsque vous choisissez votre dessin. Ici, j'ai fait un premier test dans la cire avant de continuer à graver. Ici, j'ai fait un deuxième test dans la cire. En tout, j'ai fait 4 tests. Ici, j'enlève les égratignures sur la surface de la pierre avec un papier sablé numéro 2000. Il est temps de couper l'excédent de pierre. J'utilise pour cela ma lime triangulaire. Mais vous pouvez utiliser un exacto. Ici, j'utilise du papier sablé à gros grains pour égaliser le bord de la pierre. Utilisant toujours le papier sablé à gros grains, je dois amincir la pierre et arrondir les coins avant de la coller sur la bague. Maintenant, je dois amincir la pierre, mais seulement au centre. Pour ce faire, j'utilise un crayon et du papier sablé.
il est temps de coller la pierre à la bague. Pour ce faire, j'utilise de la supercolle gel. Puis, je laisse sécher 24 heures. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez « J'aime », partagez-la avec vos amis et inscrivez-vous sur ma chaîne afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo. Merci!